What the fuzz, mon gars. Ok, on ressort. Eh bonjour à tous, ici Arcanet MC, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Minecraft. Ah bah écoutez, c'est parti, comme d'habitude, on va continuer notre aventure sur cette magnifique map absolument captive. Elle est vraiment très captivante à jouer, hein. C'est bien que le mec a appelé cette carte comme ça. Donc voilà. Ah bah écoutez, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est comme ce que j'avais prévu de faire, c'est déjà aller chercher de la lave, un lac de lave, se faire un seau pour qu'on puisse justement récupérer de la... Comment ça s'appelle? De l'obsidienne pour se faire justement le portail. Alors on va faire ça. Et puis bon, écoutez, on va voir ce que ça donne, tout ça. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Alors, j'avais mis des trappes, mais c'était pour le cochon, hein, pour pas qu'il tombe. Donc ici, on a les bouquins. Ah, ici, ça a fini de cuire. Parfait. Hop. Alors, je regarde ce qu'on est... Alors, oui, on va peut-être prendre... Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être se refaire une épée. Une épée, ça pourrait être bien. On va la garder de côté. Enfin, sur nous surtout, parce qu'on sait jamais. Hop. Voilà, comme ça on aura déjà une épée. On aurait aussi la possibilité de se faire... Alors est-ce qu'on fait... Voilà, on va se faire une pioche. Vous savez quoi? Tac. Et on va se faire des boots. Des boots ou un casque? On va se faire plutôt le casque. Le casque, je pense que ça protège quand même plus. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de faire le saut. Ah merde, j'ai complètement zappé. Ah mince. Faudrait que je trouve du fer. Ah oui, j'avais complètement oublié que je devais faire le saut. Je croyais que je l'avais déjà fait, mais non en fait. Bon bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le garder sur nous. On va emmener un four. D'ailleurs le four, je crois que je l'avais... Où est-ce qu'il est le four? Il est là. Bon là j'ai fait les cons là. Là je vous l'avoue que j'ai fait les cons. Alors oui, j'ai plus de bouffe par contre, et ça c'est un problème. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, de la soupe ou quelque chose? Il y a ça. Clairement la bouffe, hein, c'est un problème. Ça c'est clairement un problème. Ça aussi il faudrait que je plante. Alors, on a moyen de se faire un silex. De toute façon le silex on peut le faire déjà maintenant. Parce qu'il en faudra un. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore récupérer en bouffe? Écoutez, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'à terme, il faudrait que j'aille récupérer... ceci là pour voir si ça a poussé. Ah, ça pousse pas des masses, hein, c'est ça le problème. Bon, ah bah écoutez, on va déjà faire ça. On va aller chercher du fer. Oh, c'est pas grave, hein, si je vais en trouver, ça c'est sûr. Alors oui, on va descendre par là. On va pas prendre le téléporteur parce que je voulais voir justement si on avait accès à des coffres, notamment que la dernière fois. Ah par contre là, vous voyez, on a ça là. Ça, j'avais pas fait gaffe. Ouais, là, on a du fer, mais je pourrais pas le récupérer. Ici, pareil, il y a du fer. Est-ce que je peux mettre une torche, là, voilà. Qu'est-ce qu'on a par ici? Par ici, on a rien. Ok. Ici, toujours rien. Je vais mettre une torche. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Manque de torche, ici. Voilà. Hop là. Alors du lapis aussi, ça très clairement j'aimerais vraiment trouver du lapis quoi. Parce que c'est le bloc prochain qu'on pourrait essayer de faire. Hein. Dardenette clé. Alors, je regarde s'il n'y a pas des trucs hein, qui se sont débloqués. Ah oui, donc il y a toujours ce coffre qu'on pourra pas ouvrir, forcément. Il est trop loin. Mais ici je peux descendre. Donc par ici, il y a la lave. Donc là, on s'éloigne de la lave. Je vais voir s'il n'y a pas du fer. Alors oui, vous allez me dire, pour trouver du fer, faut que tu mines, mais... Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien, bah, il y a des coffres. Ah, il y a de la clé. Donc ça, on va récupérer. On va faire gaffe pas qu'il y ait des mobs.
Alors, voyons voir. Hop là, voilà, ça c'est nickel. Il y a la clé aussi ici. Ah, j'ai pas accès à celle-là. Ok. Ah non, ce coffre-là, c'est pas encore. Mince alors. Bon, on sait en tout cas que ici on a deux coffres. On va remonter. Et on va essayer de trouver ce fameux lac de lave. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plutôt dans le truc... Pff, ça fait mal ça. On va essayer plutôt de retourner à la mine. À la fameuse mine géante là avec tous les mobs. Alors là, il va falloir que je mange. Voilà, donc ici on a le Stronghold. Descends par là. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Alors. Moi, je suis descendu par là, donc c'était pas obligé. Ok, donc c'est parfait. Donc du fer, faut que je trouve du fer. Juste trouver du fer, ça devrait le faire. On n'a rien par ici. Par contre, il y a un Enderman et ça m'intéresse aussi un peu. On va miner par là. J'espère que je vais en trouver. Mais c'est vrai que pour le coup là j'ai fait le con. J'ai crafté mes trucs alors j'aurais pas dû. Donc ça c'est de la redstone. J'en veux pas forcément. Ah. Alors on a du fer. Mais j'y ai pas accès. Pourquoi pas. On va peut-être trouver du diamant aussi. Alors oui, il faut savoir aussi un truc avec ce monument, c'est que forcément il va falloir qu'on fasse des blocs de... Ah, voilà, on a dû faire. On va devoir... Ah bah voilà, c'est bon, on va pouvoir se faire le saut. On va devoir se faire des blocs de diamants, d'or et... merde. Donc, diamant, or et fer. Non, c'est plutôt émeraude. Émeraude. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on récupère aussi pas mal de diamants et d'émeraude. Et de l'or encore, ça peut aller. On en trouve assez facilement. Donc voilà. Alors... Voilà, donc je vais juste placer mon four ici. On va se faire, non pas ça, ça. Et on va remonter, ben je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait remonter. Ah, dans le Stronghold il y a de la lave, donc on pourrait faire couler de la flotte là-dessus. C'est assez propre. On va pas s'aventurer là où on avait trouvé de la lave, mais parce que en fait j'ai pas envie de me retrouver au niveau du lac de lave, j'ai pas envie de cramer en fait. C'est ça mon délire. Voilà. Alors la bouffe aussi, hein, c'est très dangereux ça. La bouffe, ça a posé souci. Alors, notre ami, la table de craft, elle est là. Hop. Et voilà. Alors, on va revenir. Alors, je vais pas courir. Honnêtement, je vais vraiment éviter de courir. Bien qu'il me reste encore un soupe de betrot, mais je vais éviter. On va remonter tranquillement. On va aller au Stronghold. Et vous savez ce qu'on va faire? Ah oui, non, peut-être pas encore. Ah, regardez, j'ai faim. Va falloir que je mange. Je savais qu'il y avait un spawner ici.
J'avais vu des petites particules là, me disait. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui va nous emmerder, donc déjà on va torcher, hein, parce que si on torche pas... Ok, donc nous avons de la lave ici. Et ici. Mais ici, ça va être un peu chaud. Donc ça fera déjà 6 de machin. Alors, par contre, j'ai pas d'eau. J'ai oublié de récupérer de l'eau, donc on va quand même remonter. Faut absolument qu'on aille chercher de l'eau. Peut-être se faire une source, j'en sais rien. Non, vous savez quoi, on va pas aller au Stronghold parce que sinon il va falloir que je remonte, etc. Ça va être assez chiant. Ok, donc on doit manger ça. Oh, je veux pas rebouger à chaque fois, c'est chiant. Donc il faut déjà ça, je range ça aussi. La clé, il faut que je la mette là. Ça, il faudra le faire cuire. La betterotte, il va falloir que je la plante. Donc, alors attendez voir. Je récupère un seau d'eau. Et on va essayer de trouver ce lac de lave. Enfin, seulement que je le trouve. Voilà. On a notre seau d'eau. Alors, par où est-ce que je passe? On va passer par là. Peut-être mieux. Comme ça, on écoute si on entend de la lave. On va bien écouter. Voilà, c'est des petits préparatifs à la con comme ça, mais... Ah oui, il faut que je me fasse une pioche en diamant aussi. Ah, j'ai oublié. On remonte. Ah, décidément. Putain, je sais jamais. Voilà, c'est par là. Il faut que je me fasse une pioche en diamant, parce que si je la fais pas, je vais pas pouvoir récupérer les psines, vous êtes d'accord. Alors. Allez, première utilisation de diamant. Voilà, c'est tout ce que je fais, hein. Pour moi, le diamant, c'est précieux. Voilà. Et ce coup-ci, on y va. Quelques fails, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Hop, hop, hop. Tac, tac. Faudra trouver un grand lac de lave. Alors. Ah. Voilà, donc par ici il y a de la lave. Ah bah regardez, elle est là. Nickel. Alors là, on va éviter de faire le con. On a même un coffre ici. Alors attendez, parce que c'est une zone assez nouvelle ici. Oh, on a un coffre. Ok. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je vérifie quand même parce que pas qu'il y ait des mobs. Ça a pas l'air. Et j'entends toujours cet ours polaire. Hein. Ah bah on a de la clay. Bon écoutez, franchement, honnêtement, je crois qu'on a vraiment de quoi compléter le monument. On a un CD, ça tombe bien, on en a deux maintenant. Je récupère ce coffre. Je récupère le fer. Oh bah encore un coffre? T'es sérieux? L'un à côté de l'autre. Ah c'était peut-être un... Non, c'était pas un double coffre ça. On a une toute petite grotte là. Ah, bah on a de la bouffe. Et on a la tarte aux citrouilles. Et toujours des golden nuggets. Je sais pas pourquoi ils donnent ça à chaque fois. Ça va forcément servir à quelque chose. Non mais franchement, obligé, ça sert à quelque chose quoi. Vous êtes d'accord? T'as deux coffres à côté de l'autre quoi. Fallait le savoir ça. Oh là, alors attendez, il y a un squelette. Pourquoi tu fais des cœurs? Ok, on a un autre coffre ici. Ok. Alors, il y a pas mal de coffres, hein. Honnêtement. Ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a masse de clay. Moi, je récupère. Hein. Voilà. Et on va reboucher pour être tranquille. Voilà. Tac. Et merde, j'ai plus de... Alors attendez, ça c'est la tarte à la citrouille, je crois qu'on peut la manger.
Ok. Alors on a nouveau de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un carré d'eau ici. Et bah c'est parti. Bon, ça par contre je pense que je vais le faire en ellipse très clairement. Parce que ça va être un peu long. Il va falloir que je récupère. Alors attendez voir. 6, 7, 8, 9, 10. Il va falloir que je récupère 10 d'obsidienne. Donc écoutez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Et puis ensuite on ira construire le portail ben, dans notre baraque. Allez, à tout de suite. Et 10. Voilà, c'est parfait. Bon. Alors, on va bien. On va virer. Alors, vous savez comment on fait pour savoir si c'est bien le compte ou pas. On fait comme ça, regardez. Donc, imaginons que ça, c'est notre portail, par exemple. Voilà. Hop. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc c'est bien 10, hein, vous voyez? Donc ça, c'est pour savoir si jamais pour être sûr en fait que vous avez le compte en fait. Voilà. Ah bah écoutez, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un seau de lave, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc on va le garder précieusement. Voilà. Pour pas faire de conneries. Et moi j'aimerais retrouver la sortie maintenant, c'est par là. Oh bah c'est cool, on sait qu'il y a des coffres par ici. Énormément de choses cachées dans cette map, c'est incroyable. Donc, on remonte, n'est-ce pas? Puis on a trouvé de la bouffe aussi, c'est ça qui est bien. Alors là, par contre, je vais la manger. Ok, ça a l'air d'avoir une sacrée saturation de faim. Ça, c'est cool. Donc, on va construire notre ami le portail. Et ça va nous débloquer finalement l'achievement. Pour nous donner accès au coffre qu'on a tout en haut là. Ah, on a de la clé, ça c'est bien. D'où tu viens toi? Par où est-ce que t'es venu toi? Il m'a effrayé en plus. Ouais, il a dû spawner sur un endroit un petit peu sombre. Peut-être qu'il vient de là-bas, j'en sais rien. Bon, de temps en temps, ça pourra arriver ce genre de conneries, hein. Parce que encore une fois, il y a des endroits où je peux pas éclairer, forcément, j'ai pas accès. Alors ils peuvent spawner, ils peuvent venir nous voir s'ils nous targetent. Donc voilà. Par où c'est? Voilà, c'est par là. Ok. Alors le portail du Nether, où est-ce qu'on va le... Ah, on va le mettre là-dedans, tiens. Voilà. Ça, c'est un truc que j'avais pas pensé. Ah oui, mais... Ok. Non, peut-être, on va peut-être pas le mettre là, en fait. Il y aura pas assez de place. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? On va quand même le mettre en souterrain. Parce que si y a des cochons qui sont téléportés, ça ferait un peu chier. Alors, on va se mettre ici, voilà, tranquillou. Voilà. Ici, ça me paraît parfait. Donc, ici on n'a pas besoin. Voilà. Donc, on creuse ici. Il va juste falloir que j'aille chercher le flint. Donc, 1, 2. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà. Alors bien sûr, l'achievement, il va pas s'activer, hein. Il faut savoir quel bloc on a posé. Donc on va prendre le flint et normalement ça devrait nous débloquer le prochain achievement. Voyons voir si c'est le cas. Ah non, il faut rentrer dedans. Alors on va rentrer dedans et puis on va ressortir. Parce que honnêtement, je suis pas encore assez bien. Voilà, donc achievement c'est bon. What the fuck, mon gars? Ok, on ressort. Parce que je sais pas. Putain. Putain, j'ai entendu une vache. Ok, c'est bon. Donc on a eu l'achievement. On a eu l'achievement, c'est parfait. Tout est bon. Ça, alors on va ranger un petit peu des choses.
Ça, je vais transformer en ça. Ça, je vais ranger là. Ça. Ça, ça, ça. Celui-là, on va faire comme ça. Tac. Des flèches que je garde toujours sur moi. Des boules de neige, on s'en fout. Le flint, on range. Ça, il faut que j'en craft. Putain, on a masse de clés. Regardez toute la clé qu'on a. Plus les 27 là. C'est un truc de malade. Honnêtement, on a de quoi faire tout le monument là. Obligé. Alors peut-être pas tout, mais quand même une bonne partie quoi. Je suis en train de me dire... Ouais, ok, donc on a des coffres. Bah là, on se rend compte en fait du nombre de coffres qu'on a trouvé quoi finalement. C'est assez incroyable. J'en ai même pas crafté donc... Luc, ouais, ok. Je vérifie qu'est-ce que je pourrais encore déposer. Le four. On l'emmènera seulement s'il faudra qu'on... Bon, on va garder peut-être quand même sur nous. Hein. La clay, le fer, la bouffe. Et bah c'est bon. Du coup, on va chercher... On va chercher le coffre. Voilà. Et le coffre est ici. Et le mouton est dehors. Non, il n'est pas dehors, c'est bon. Ah, on a une carte. Et on a de la viande. Ok, alors ça c'est bien. Je m'attendais plus à du lapis en fait. Ça aurait été bien. Bon, bah c'est pas grave, c'est ouvert. Alors la question aussi que je me demandais, enfin que je me posais plutôt, c'est que, vous savez, dans le Nether, quand on parcourt un bloc dans le Nether, c'est l'équivalent de 8 blocs. Dans le monde réel, dans le monde ici. Alors est-ce que si on active un... Si on complète un achievement dans le Nether, est-ce que la zone ici va s'étendre de beaucoup plus de blocs? C'est ça la question en fait, parce que ça voudrait dire qu'en fait, il suffirait juste de claim deux achievements pour avoir accès à ce coffre-là, par exemple. La canne à sucre là-bas bientôt, ça serait craqué quand même. Ça, c'est la question que je me pose. Voilà. Donc, à voir. Je sais pas trop. Ok, donc, alors, on va pouvoir récupérer du... On va pouvoir récupérer... Alors, la carte. On va regarder la carte. Ah oui, d'accord, ok. Donc, nous, on est là. Alors, je sais pas pourquoi il nous a donné une carte. Ça doit forcément vouloir dire quelque chose, cette connerie. Mais il nous a donné une carte. Bon, pourquoi pas. On va la garder, celle-là. Hein. On va pas la cramer ou quoi que ce soit. Hop. Ça, il faudrait que je fasse cuire, hein, très clairement. Alors oui, je vais me faire les bottes. Voilà. Voilà, et comme ça, on est full protégé. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment cool. Là, maintenant, on va pouvoir un petit peu s'aventurer dans le Nether. Je pense que ce sera dans le prochain épisode, chers amis. Ça pourrait se faire. Voilà. Bon, je range tout en vrac, hein, vous l'avez remarqué, mais... C'est voulu. Ok. On a de la bouffe. Voilà, on a un peu plus de bouffe qu'avant. D'ailleurs, j'ai un coffre. On va le déposer. Et... Il y a de la clé qui traîne là-dedans. Tac. Bon bah je suis déçu quand même parce qu'on n'a pas trouvé de lapis, hein. On a un petit peu miné mais on n'en a pas trouvé. Bon ça va, ils n'ont pas cassé le champ. Ah oui! Rappelez-vous quand on allait dans le Nether juste avant. Alors toi ne saute surtout pas. Hein. Ne saute surtout pas toi. Ne saute pas sur le champ. Tu peux marcher dessus, mais ne saute pas. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Allez, pousse-toi. Nickel. Ça, c'est fait. Alors, rappelez-vous, avant, quand on allait dans le Nether, est-ce qu'on a accès à celui-là? Ah non, on n'a pas accès. Dommage. On est allé dans le Nether et on a entendu une meuh. On a entendu une vache. Et rappelez-vous, il y a un achievement... qui nous dit qu'il faut qu'on donne deux foins à de la vache. À une vache. Enfin,
Une autre vache. Pour que, bah, je pense, il s'accouple finalement. Donc il est là, l'achievement, vous voyez. Donc donner du foin à deux vaches. Nourrissez finalement. Donc ça pourrait être vraiment sympa de faire cet achievement. Donc nous on a fait déjà celui-là. Il va falloir qu'on trouve un ghast. Donc pour ça, il faut juste qu'on ait un arc. Relieve a blaze of its rod. Donc il faut qu'on trouve des blazes. Faut qu'on fasse une table d'enchant, mais on n'a pas de papier. On n'a pas de papier. Le diamant on a. L'obsidienne ça peut se récupérer. On n'a juste pas le papier. Quoique on avait. Ah si, on peut faire un bouquin. On peut faire la table d'enchant. Parce qu'on avait récupéré du cuir. Ah bah ça c'est cool. Est-ce qu'on fait. On a combien de minutes de vidéo? Ah non, c'est trois papiers. Non, c'est trois papiers. Je suis con. Non, non, on peut pas le faire encore. Il manque juste deux papiers. Donc peut-être qu'on les trouvera dans les coffres. Peut-être qu'on les trouvera dans les coffres, j'en sais rien. Là, on a encore du fer à faire cuire. Bah, en plus, j'étais allé chercher du fer alors qu'en fait, on enlève dans les coffres. J'avais pas bien regardé. Bon, bah, c'est des fails, hein. C'est pas grave. Ceci dit, on peut faire du foin. Enfin, du pain, je veux dire. Ça me fait de la bouffe, c'est cool. Et des graines. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, bah je pense pas qu'on va. Pour la fin de l'épisode, vous voyez ce qu'on va faire. On va pas s'aventurer encore dans les souterrains. On va planter ça. On va se faire un petit champ de betteroth. Donc ça c'était pour les bouquins. On n'avait pas trouvé de bouquins depuis, hein. Si dans le précédent épisode, on avait trouvé un bouquin. Elle est où ma houe? Elle est là. On va planter ça. Et. Ah oui, attendez. Ah merde, ouais. Faudrait que je mette la lave à un endroit pour que je puisse la récupérer. Juste pour récupérer la flotte. Donc on va mettre ça par là. En même temps, ça nous fera une poubelle. Voilà. C'est juste pour chercher de l'eau, hein, parce qu'il faut irriguer les champs, hein, vous le savez. Voilà. Ah, il me semble que j'avais encore des barrières, là, attendez. Peut-être quand même mettre des barrières encore. Barrières, là. Bon, j'en aurais pas assez. On va faire avec ce qu'on a. Hop, 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 hop. Ok. Donc ça, c'est bon. Bon, on va le faire par là, hein. Alors, je vais pas péter avec la pelle, sinon je vais récupérer des boules de neige. Je vais plutôt récupérer comme ça. Pas casser ça comme ça. Voilà. Ici, mettre une torche pour que ça fonde, j'en sais rien. Voilà. Et on va se faire un. On va mettre de l'eau. Ah, tu peux pas mettre de l'eau là? Attends, tu peux placer les blocs, mais tu peux pas mettre de l'eau. Ok, c'est stupide. Bref, c'est pas grave. Mais je suis con, j'avais pas d'eau sur moi. Ah, décidément, ça va plus. Donc voilà, c'est ça que je veux faire. Et tu me mets de l'eau. Voilà. Hein. Ah, mais j'ai qu'une graine. Alors attendez. J'ai qu'une graine. On va aller chercher de la bonne mille. On va un petit peu la faire pousser plus rapidement. On a masse de bonne mille, donc. Hop. Où est la bonne mille? Elle est là. Je crois que j'avais encore des zones, non? Ah mais non, c'est vrai que j'en avais aussi utilisé de la bonne mille pour faire pousser du blé. Pour les débuts. Voilà, on va pas trop en bouffer non plus. Ah, de la betterotte. Ah, tu vas me dire que. Ah, ça nous fait du colorant rouge. Intéressant. Ah mais ça donne pas de graines. C'est pas comme le foin. Ah, ça c'est dommage. C'est-à-dire j'ai pas pouvoir. Ah merde. Ah putain, ça c'est con ça. Bon bah écoutez, on va se faire. Bah, ça c'est un peu dommage pour le coup. Ah, si, attendez. Deux graines. Ah, c'est pas tout le temps en fait. Ok.
Ça en donne pas tout le temps. Mais du coup, ça se mange. Est-ce qu'il faut la faire cuire? Ah oui, mais ça nourrit pas des masses, hein. Putain. D'accord, ok. Peut-être qu'il faut la faire cuire, j'en sais rien. Je connais pas ce truc, hein, donc... Ah bah là ça commence à donner de la graine là. Ok, on va peut-être éviter maintenant de... Voilà, on a 10 graines, c'est parfait. Voilà, je pense que là c'est bon. Hop, et toi tu pourras pas y aller. Si, il pourra y aller. Mais je sais pas. Donc voilà, bon bah écoutez, on aura planté là. J'ai l'impression qu'il neige des fois aussi, hein, parce que ça je l'avais cassé je crois. On aura planté la betterote, c'est cool, comme ça fera de la bouffe en plus. Je vais quand même voir avant de vous quitter si on peut la faire cuire. Juste pour voir. Je sais qu'on peut se faire des soupes, hein, donc à la limite se faire des ragoûts de betterote, ce qui donne beaucoup plus de saturation. Voilà. Alors, attendez voir. Ça, j'en ai pas besoin, ça non plus. Qu'est-ce que je pourrais encore ranger? Ça. Et du coup. Ah oui, donc on a 8 betteroles. Alors, est-ce qu'on peut la faire cuire? Ah bah non, ça se cuit pas. Ok, ça se cuit pas. On a des bols. Donc si on fait ça... Ah d'accord, donc je sais pas comment faire les ragoûts de betterote. Je regarderai sur le wiki. Hein, donc excusez-moi hein, si je l'ai pas fait maintenant, mais on verra bien sur le wiki. Ça pourrait être cool. Alors il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire, c'est casser toute cette neige. Parce que ça se trouve, il y a des choses cachées en dessous. Ça se trouve, il y a un coffre, hein, imagine, il y a un coffre. J'ai jamais pensé à casser. Hein. Imagine, il y a quelque chose de caché en dessous. On sait rien. Ah oui, et du coup, attendez, il y a la zone qui s'est un peu étendue. Donc, est-ce qu'on a accès à de nouveaux trucs? Non, pas encore. Hein. Pas encore. Dans deux achievements, on aura accès à tout. Ah, peut-être pas, non. Ces trois-là, c'est pour le diamant, l'émeraude et l'or. Ok, donc dans deux achievements, on va avoir masse de colorants à faire. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est parfait. Ah bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 6, j'espère qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous la fois prochaine pour continuer. Et bah écoutez, bah, la fois prochaine, ma foi, hein, j'ai envie de dire, je sais pas trop ce qu'on va faire, bah on va aller dans le Nether, parce que c'est là qu'on pourra le faire le plus d'achievements. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il voulait déjà pour un achievement? Je crois qu'il voulait trouver du blaze, hein. Donc Ghast et Blaze, ça pourrait être simple peut-être à faire, je sais pas encore. Ah ouh là, il y a des choses qui sont débloquées là, regardez. Wow, t'es sérieux, il va falloir qu'on bute le Wither. Ça va être tendu. Va falloir qu'on récupère l'œuf de l'End. Ah ouais, non, mais ça c'est chaud, hein. En plus, le dragon dans l'End, il a été modifié. Il est beaucoup plus dur maintenant à tuer. Ouais, clairement, ça va être chaud. Ça pourrait être faisable. Ça, tout ça, c'est faisable. Hein. C'est des trucs pas très compliqués. Là, apparemment, ils veulent des achievements. Voilà. Donc ouais, ce sera vraiment au fur et à mesure qu'on trouve des coffres, etc., qu'on mine. On va certainement encore trouver d'autres coffres. Surtout les deux coffres qui étaient l'un à côté de l'autre, c'était assez craqué ça. J'ai pas compris là. Bon allez, sur ce, merci à tous et à la prochaine. C'était Arcanite. See you next one for the next episode. Yeah! Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe dehors, si ça pousse. Hop. Hé. Il y a une torche là, non? Non, plutôt là. Voilà. Nickel. Ouais, ça pousse pas des masses. Allez, bye bye tout le monde.